la chanteuse Céline Dion se fait plutôt rare depuis plusieurs mois. En effet, en décembre 2022, l'interprète de My Heart Will Go On indiquait qu'elle était atteinte d'un trouble neurologique rare, le syndrome de l'homme raide, rappelle le Huffington Post. Cette affection empêche l'artiste de pratiquer son art efficacement. Après avoir annulé sa tournée de concerts européenne, Céline Dion est peu apparue dans les médias. C'est pourquoi elle a créé la surprise en faisant une apparition lors du dernier concert de Katy Perry qui s'est déroulé à Las Vegas ce 4 novembre. Et elle n'était pas la seule VIP qui a attiré l'attention puisque le prince Harry et Meghan Markle avaient fait le déplacement pour assister au spectacle, a rapporté le Las Vegas Review Journal. Le duc et la duchesse de Sussex avaient été installés dans le même carré VIP que la diva, a rappelé le média américain. Céline Dion était souriante, ce qui a rassuré un grand nombre de ses fans, inquiets pour sa santé. Supérieure à Céline Dion, Hélène Ségara, Édouard Philippe. Ces stars atteintes d'une maladie rare, nouvelle apparition publique en quelques jours. Les fils jumeaux de la chanteuse québécoise, Eddie et Nelson, étaient également présents lors du concert de Katy Perry, ce 4 novembre. C'est la seconde fois que Céline Dion est vue en public en quelques jours. En effet, le 30 octobre dernier, la star internationale avait assisté au match de hockey opposant les Canadiens de Montréal aux Golden Knights, rappelle Paris Match. La rencontre s'est déroulée à Las Vegas. Ses trois fils l'avaient accompagnée pour l'occasion. Cela fait plusieurs mois que Céline Dion souffre de divers symptômes entraînés par sa maladie. Évoquant les difficultés qu'elle rencontre au quotidien du fait de cette dernière, elle avait déclaré par le passé « J'ai parfois beaucoup de difficultés à marcher et je ne peux pas utiliser mes cordes vocales pour chanter comme je le souhaiterais. » Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, The Image et Direct. Just need some. Just need some new.